Et yo tout le monde, c'est Thiab, je suis ravi de retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous jouons Rome, la dynastie des Junia. Ouais, il y avait les Namnet qui tentaient une petite percée. On va résoudre la bataille sur le champ, on va les massacrer. Tout simplement. Il a quelques bonnes unités hein, quand même. Il va falloir faire gaffe, bretteur d'élite, lancier d'élite. La cavalerie est pourrie, mais la mienne n'est pas forcément beaucoup mieux. C'est l'inconvénient. Il pleut. Ok, moi j'aurai pas de rafales enflammées. Ah! J'ai des bonus de défense, ça c'est très bien. Donc, ce que je vais faire, hop, c'est que je vais bloquer. Ici, on viendra pas m'embêter. Que Jupiter me donne la force. Alors, on va protéger les flancs. Troupes de mêlée en attente d'ordre. Cohorte légionnaire. Voilà. On protège un peu les flancs de nos balistes, ça c'est important. Cohorte légionnaire. Infanterie de mêlée. Cavalerie. Hop, notre cavalerie sur le côté. Désordre, paré en attente, fils de Mars. Et là, et là, et là, une petite ligne. Ça me servira pas, chevaux de frise. Et puis je pique, pas encore intéressant. En ville, je comprends l'utilité, mais là. Prêt pour la bataille. Ouf. Voilà. On déploie un peu. Hop, mais pas trop large. Cohorte légionnaire. Voilà. Okay. Comme d'habitude, on ne sait pas d'où viennent nos ennemis. Je sais. C'est dur de comprendre quel honneur il y a à tirer de cette tâche. C'est injuste de tuer ces ah oui, c'est vrai que abrutis, mais ça en vaut la peine. Un commandant parce que mon général s'est fait tuer par un agent ennemi. Aux armes. Allez aux armes légionnaires. Ils ont l'air tous paqués là-bas. Même pas. Qui c'est qui prend guerre? Alors guerrier fidèle, fidèle noble lancier. Oh, j'ai des guerriers fidèles. Bien, c'est pas mal déjà. Le lancier, ok, le renforçons là. Le lancier, je garderai des projectiles pour le général ennemi. Mode garde d'ailleurs, hop. Voilà. On va bien casser quelques lignes. Je vais la porter là. Ah. Allez, on va viser le général ennemi. Ça touchait, ça permet d'affaiblir un peu ses lignes. C'est une bonne chose. Alors là. Général, cohorte légionnaire. Tous de fiers romains. On va changer les places. Même si ça reste un petit commandant, pas ouf. Je préfère être sûr. On va avoir plus de pertes que ça, hop, et de cavalerie. On va les envoyer intercepter la leur, justement. Qu'est-ce qu'il fait? C'est ma formation, non? Charge frénétique. Coin? Ah oui d'accord, il n'a pas eu le temps de passer en coin. Je l'intercepte avant. Impeccable, là-bas. Son général, il prend tarif. Là on intercepte, on va poursuivre, normalement ça devrait être bon. Ouais bon là-bas c'est tranquille. Là on est en contact. Troupe de mêlée en attente d'ordre. Okay, toi tu retires ton feu à volonté. Troupe de mêlée, heureux de servir
Ils sont toujours pas barrés. Si, c'est bon. Hop. Voilà, je vais demander à ma camarade d'aller sur les jeunes celtes ennemis tirailleurs. Ah, ils tiennent, hein. Salope, hein. Que Jupiter me donne la force. En cadence. Avancez donc. Cohorte légionnaire. Passez sur le côté. Hop, vous allez charger là-bas. À diviser en deux. Infanterie de mêlée à vos ordres. Hop, on va attaquer tranquillement par derrière. Cohorte légionnaire. Là pareil, on va. C'est nos projectiles, ce sera bon après. Là c'est bon. Essayer d'intercepter. Non, parce que là il nous. Oh la vache. Il nous balance trop de projectiles. On va se barrer. On prend beaucoup trop de tirs. C'est pas bon du tout. Attaque. Maintenant qu'il n'y a plus de munitions. On va se tirer après avec notre cavalerie. La cavalerie la plus chère. Une petite cavalerie qui a. Pris tarif là. Alors leur général, il est où leur général? Ils en ont pas? La blague? Bah, il est où? Ils ont pas de général? Alors à moins qu'ils soient passés sur un des côtés et que je l'ai pas vu. Non, ils ont pas de général. C'est pas ce délire. Ah, il est là-bas, il est là-bas. Je l'ai vu, c'est bon. Hop, il est où? Et là-bas, ma cavalerie. Comment ça, ils arrivent à passer? Hop, on va pas se laisser faire. Pas non plus. On va intercepter. Force le combat. Là, une frondeur, là, on va y aller tranquillou. En premier temps, bien évidemment. En attendant le contact. Hop, le général, on va le décaler, on va le faire aller sur le côté en renfort. Il va pouvoir d'ailleurs faire son feu à volonté. On va charger. Hop, il doit charger le mec. Tout seul lui. Ah ouais, je l'accorde dès qu'il a la pris cher. Ah, c'est quoi ça? C'est du noble lancier. Hop, allez, c'est quoi? On va charger là. On a plus de munitions. Vous faites le tour, les mecs. J'ai besoin de renfort. Là, il faut qu'il charge. Hop, j'en prends qu'un seul. Charger dans le dos. Ça devrait faire l'affaire. On va se mettre en formation et on va les intercepter. Feu à volonté. Ouvrez les lignes. On a pas besoin de courir, reste tranquille toi. Au pas de course. D'accord, moi il veut courir, il veut courir, on va le laisser courir. Ok, oh, c'est des nobles lanciers, ouais, forcément contre la cavalerie ils vont avoir l'avantage, mais on va les charger par l'arrière donc ils vont pas aimer la blague. Général. Ah, tiens, ils m'ont fait des pertes hein, quand même. Hein. On va les charger encore une fois là-bas, sur le côté. Ok, j'aime pas cette charge là. Charger comme ça, je préfère. Général. Voilà. Ok. On a gagné, on a eu pas mal de pertes. En étant en infériorité numérique, il a des vraiment bonnes unités. Hein. Ça c'est fort. Alors, regardez les pertes qu'ils ont fait là, 110, 112. Moi j'ai pas la meilleure unité. Bien qu'ils aient un petit peu d'entraînement, c'est pas suffisant. Peut-être perdu une ou deux cohortes. Non, ça va. Allez, des esclaves
encore des esclaves. Quoi, ils ont encore des tours à jouer, eux. Et c'est vrai que j'avais pas de... De général non plus, les Picton. Il est un peu trop tard pour réfléchir à ça. En plus, ils sont en guerre contre les jets aussi. Ah bah super. Ils vont pas faire mon feu. J'ai pas de... J'ai pas de général. J'en ai perdu un d'ailleurs en général. Putain, c'est pas vrai. J'ai perdu lequel? Je sais pas si... L'air d'avoir perdu le mari de quelqu'un, lui. J'ai pas plus d'infos. Allez, marie-toi. Faut que j'incite. C'est quoi, c'est inciter, c'est ça. De deux ruses de plus que la cible. Ah oui, quand même. Il y en a un qui doit avoir de la ruse dans le taf où je le trouve, ça doit être un amiral en plus. Wesh, vraiment, sérieusement. C'est terrible ça. Il me faut quelqu'un qui est... Hein? Pardon? Il a 11 de... Attends. Un agent. C'est pour ça. Donc déjà, remplacé. Par lui. Voilà. Voilà, il a moins de ruses. Ouais, ce sera plus facile avec... Avec 3 de ruses. Voilà, inciter. Indisponible en voyage. Ça va arriver. Il va venir, il va venir. Lui se barre. Mettez-y du vôtre, messieurs. Mais c'est barré loin. Hein. Mise en place du blocus. Pour la mort et l'honneur. Ah, petite résolution auto. On est équilibré. J'espère ne pas avoir de pertes. Ça passe. On occupe. Voilà, on s'est vengé. On va aller chercher eux là. Pour aller très loin. Hop là. Protection. Voilà, ils ont plus de généraux, de dirigeants, quoi que ce soit normalement. À part si on a un qui est planqué que j'ai pas vu. Non. Mais... Bruit. Au bruit que ça a fait, c'est parfait. Il y a plus de namnette. On a pris une namnette homme. On a du bois. On a du bon bois. Oui, il fait de la bouffe, c'est toujours bien de la bouffe. Hop, ça, on a pas besoin. Ça non plus. En tête les JO, on va s'approcher direction Sanabom. Enfin pour aller. Depuis le temps qu'on essaie d'y aller. Qu'est-ce qu'ils font? Ah non, vous pouvez rien, laissez tomber. Et on approche. Et toujours là, lui il peut pas faire d'attaque de nuit, hein, je pense. Hein. Je pense pas, ouais. Ah oui. Je vais l'envoyer à Garma. Ah bah c'est mon empereur en plus. Fais-toi plaisir. Il va en faire un petit trajet. Ouais. Je vais le faire passer par la mer, mais bon, c'est moins drôle. Ah, ça c'est bien ça. Et ça c'est pas bien ce que je viens de faire. J'aurais dû mettre dans la ruse. Ah zut, j'ai pas réfléchi. Putain,
Les Burzis, tiens, elle marque comment? Oh, il les jette? Qu'est-ce qu'ils font là? Et ils s'agrandissent à mes dépens, les jettes. J'aime pas la blague. On ira reprendre ces territoires. Parce que là, je suis en train de taper sur les Pictons qui ne voient que moi, qui ne combattent pas les jettes. Les jettes en profitent derrière pour récupérer des territoires gratuits. J'aime pas la blague. Ok. Je parie que ce sera les pergamons qui vont s'agrandir sur les jets ou un truc comme ça. Je le sens venir gros comme un camion. Non. Ok. Donc, alors j'avais dit, on va inciter lui. On va l'adopter aussi. Surtout afin qu'il ne crée pas d'autres parties. Si je l'adopte, il ne créera pas son propre parti. C'est le principal. Et oui. Ok. Hop là. Alors. Toi, on avait dit direction Snabob. Qu'est-ce que. Et les Dumnoni, vous foutez pas un peu de ma tronche par hasard? Retournez chez vous. Cette chatte très pauvre. Comment puis-je vous servir? On se déplace discrètement. Ils ont plus grand chose, hein, les Dumnoniens. Les Pictons, je veux dire. Pas d'autres ordres? Je ne sers que Rome. Hop. À votre service. Avec son Hémosos. Là. Une fermière, oui, ça va très bien. Mince, c'est lequel? C'est ça? Minerve? Bon, taux de recherche, oui, ça va être toujours. Voilà. Non, là, la troupe est bonne. Faut que j'aille sur Octodurus, hein, quand même. Où est-ce que je vais là? Ah oui, c'est mon empereur. À votre service. Préparation du siège de la colonie. Nous prenons les... cette colonie. Prêt pour vos ordres. On va y envoyer du renfort. Ça devrait limiter les pertes. Pour la mort et l'honneur. Voilà. Impeccable. Bon, on a monté en Imperium. Ça c'est pas mal. On va pouvoir lever plus d'armées. Alors là, si je me trompe pas, ça sera... minier. Donc on va se préparer. Il y a encore une ville, ouais, ils ont encore leur capitale là-bas. Non, je peux pas recruter d'argent. Hop, ici je peux créer une nouvelle légio. Ah, cavalerie prétorienne. C'est ça que je cherchais tout à l'heure. Dernier épisode plutôt. Voilà. Faut pas demander plus. Parfait tout ça. Ah. Voilà. Là ils ont
Ils ont trois groupes là qui savent pas trop où donner de la tête. Hop. Ouais, très bien tout ça. Verdiga là, on est comment? Ouais. Ah, je peux lever un autre eddy. Je peux faire un autre eddy. Ici, un Magna Glacia. Magacom, il y a encore le Nervien, ok. Accélérer. Aux portes de Terraco. Tu me diras, ils viennent de là. C'est déjà pas mal comme chemin. Qu'est-ce qu'ils font, les jettes? Qu'est-ce qu'ils ont encore fait comme bêtise? J'ai perdu un enfant. Ça c'est moche. Toi t'as monté d'un niveau. Centurion. Nous avons fin de bataille. Allez, on prendra leur dernière ville très bientôt. Est-ce qu'il y a du monde pour protéger la bombe? Il n'y a personne. Tu me diras Bibract, j'ai pas besoin d'avoir plus de défenseurs que ça. Là eux ils vont finir par s'éteindre tranquillement. Reprend la route. Ici aussi, eux, est-ce qu'ils sont bien en train de se barrer? Ou est-ce qu'ils sont encore chez moi là? Non, ils ont pas l'air de. Ils ont pas l'air de faire quoi que ce soit. À votre service. Ouais, là, il me bloque. C'est pas grave. Ah, c'est ballot, ça. Oh, c'est con. Hop, maintenant qu'on contrôle Octodurus, on peut retourner sur Genua. Et on va voir comment ils vont agir. Donc on aura pris leur, leur capitale. Parce que tu rebats quand même. Eh ben dis donc, ils auront traversé l'Ibérie à une vitesse. On a la gestion au niveau max. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est vous avez les trucs pour les chevaux. Ça. Basilica Equestris. Hop, les jets ne passeraient pas sous le nez. Ça est beau aller. En marche forcée, ce sera ma ville. Voilà. Faut récupérer des trucs là comme. Comme un charognard. Tu sais quoi d'ailleurs, je vais faire la garnison dans le coin. Quoi? Histoire de. D'avoir un autre pôle de recrutement au cas où. Alors. On avait dit c'était minier. Ça, à développer un basilic de Neptune, c'est ça? Ouais, c'est ça. Hop. Ça va vraiment me rapporter pas mal.
impeccable. Ah bah c'est bon, ils sont prêts. J'avais oublié. Allez, direction Patavium. Eux, ils m'ont déjà saoulé. Mais je dois attendre 5 tours. Une bêtise. Pas de chance. Oui, même pas les Célocides. Expansionniste. Oh, tout de suite. Tout de suite. Ils sont toujours pas barrés, eux. J'aime pas trop la blague. Ok, là va falloir réagir en fonction des activités des Pictons. Picton. Qui vont forcément, je suppose, dépenser leurs sous pour des mercenaires et essayer d'attaquer une de mes villes. On va voir ce que ça donne. En espérant que je les ai suffisamment ruinés avant. Ils me demandent des sous, ils ont rien compris. Hein. Ah, ils ont pas attaqué. Je perds une fille. J'ai un enfant. Bah c'est le même, non? Ah non. Alors c'est qui sont? Ils sont là en marche forcée. On va les intercepter ici. On affiche D et jette. César est partout chez lui. Je veux des patrouilles tout. Non, c'est pas ça. Ah non, je suis pas César, zut. Hop. En mode agressif, on est pour se débarrasser de leur troupe. J'avais entendu un cheval. Ah, il reste, hein. Donc, ouais, il y avait des troupes quand même. Hop, soldats. Ici. Il y a du monde. Mais il peut rien faire. Hein. Ça c'est des mercenaires déjà. Bah ouais. Ça c'est parti en jet. Alors, ah oui, on avait dit qu'on faisait recrutement. Avec ça. Et ici, je pourrais recruter les deux quinquirem qui me manquaient. Il est bien avancé lui, hein. Vraiment. Comment puis-je vous servir? J'ai pas de nouvelles. Je peux pas recruter de général. Et Julia, hein, ils sont encore là, les Julia. Mine de rien. Quel âge il a, mon petit enfant? 9 ans? Oh non, lui est mort à 9 ans. Je vais recruter un Fabien. Qu'on peut pas recruter de manière conventionnelle, on s'arrange comme on peut. Ça c'est bien. Allez, ça c'est bien. Ça c'est bien. Voilà, allez, on va recruter une 12e Légio. Oups. Non, c'est pas ça.
ça que je voulais. Voilà. Voilà, notre 12e légio qui est en train de se faire recruter tranquillement. Alors, non, déjà que je veux rompre notre traité pourri là. Tiens non. Il y a donné gagnant ici. Ouais, à cause de ça. Je j'ai pas des masses d'unités. Hein. Quelques cohortes légionnaires. Cohortes d'évocatis quand même. On va voir. Je vais essayer de la jouer. Je vais essayer de la jouer rapido. Je pensais pas qu'il avait encore assez d'argent pour acheter autant de mercenaires. Il va attaquer par là. Hop, je vais foutre ça ici. Hop, là je mets derrière ça. Ça, ça sert à rien. Et lui je le mets là au cas où. On va peut-être se diviser en deux. C'est vrai qu'il y a de la cavalerie qui va envoyer. Qu'est-ce que des barbares indisciplinés? Incapable d'autre chose. Mais non, s'il doit avoir un bonus dessus, contre la cavalerie. Hein. Espère remporter ici. Donnons-leur la mort. Ah, même pas, il n'y a pas de bonus contre la cavalerie, lui. Romains prêts à faire leur devoir. Pas monter sur la cavalerie, vous attendrez le général. Ah, c'est de la cavalerie légère, oui. Ils ont des unités à distance ou pas? Ce qui m'embêterait, moi, c'est qu'il passe par le côté. Au cas où. Je vais me mettre comme ça et je vais les attendre. Au pas de course. Non, il a pas l'air motivé. Là, il charge contre les vigiles. Vache, ça a marché ça. Cavalerie légère contre des vigilesses, ça marche bien. Ok. Par contre, je suis en train de voir quelque chose. Infanterie de mêlée. C'est que là, il y a un général qui va m'arriver sur la tronche, je vais pas comprendre. Hop, je vais faire sortir eux. On va essayer de vite régler le problème de cette cavalerie. Je vais envoyer une troupe là-bas. Hop, ici mode garde et on va tout jeter contre lui, toutes les unités. D'accord, moi bon, il va pas vouloir. Je vous envoie de faire le tour là, je le vois ce qu'ils veulent faire. Non, non, j'ai un. Mais quoi, il fallait pas. Allez général, fais-toi plaisir. Ils sont les autres. Ils sont loin. Ok, ça devrait être bon. Je les ai oubliés du coup, forcément. Ils ont fait diversion comme il fallait. Général, j'ai subi un peu de pertes. Je vais leur dire de cesser de faire monter eux. À se replacer rapidement. Là, ça a fait un trou. Hein. Vigilez s'ils vont tenir un peu, mais pas non plus. Attends, encore, faut pas déconner. Ah, mais les vestes, ils font de la bonne perte quand même. Pourquoi ils sont déjà là? Ok. Leur cavalerie fuit. Là, je vais faire tampon. Evocati, ils vont revenir vite fait. Là, ils ont réussi à passer sur le côté. Ça, c'est pas cool. Brave Romain, sans exception. Général. Allez, on se manie. Bon, leur cavalerie a fui une bataille pour toutes, ça c'est la bonne nouvelle. Hop, envoyez. Gardez la vitesse. Mais plaît bien derrière. Juste histoire de. Evocati.
Ah, tu m'étonnes. On arrive, on arrive, on arrive, on arrive. Oh putain, ils ont déjà fui. On va appeler le VS 8. Ouais, on arrive, on arrive. Repliez-vous. Troupes de mêlée en attente d'ordres. Voilà, il y a mon général qui va. Repliez-vous. Séparez-vous. Qui va absorber normalement. Hop, une fois qu'on est là, bon voilà, bah bon, ok. En vrai, on va se prendre des bons tirs. Général. 189, on va voir comment ça va faire. Je vais étaler à fond ce front. Hop, à volonté. Oh, il y a la plèbe, hein, j'ai pas le choix. 73, ouais, il y a un peu de perte grâce à mes Leves. J'ai l'impression que c'est plus mon unité qui prend les dégâts là. Ouais. Ouais, les Leves. Ils ont fui sans possibilité de reconstitution, ça c'est pas terrible. Hop. Là il y a le contact. Au fond plus. On a au fond volonté. Histoire de viser comme il faut à 60, c'est bien ça. Là ça va leur donner un coup au moral le fait de se rapprocher, voilà. Gardez la vitesse. Projectile, paré et en attente. Ouais mais on lui a fait très mal. Général. Et on va dire attaquer la cavalerie légère. Au bas de course. Voilà une charge. À l'attaque. Histoire qu'il soit attaqué par l'arrière et qu'il soit pas confiant là-bas. Et il va prendre tarif forcément. Ouais, maintenez hein. Enthousiaste, ouais si. Il fait quoi, chasse à l'homme? Ah, il va faire mal à mes unités de club. 22. Général. Le but c'est de resserrer le plus possible. S'en débarrasser le plus vite possible aussi. Bon, à l'Ambert 19. Ah. Allez. À l'attaque pour Rome. Allez, on resserre les taux, les gars. Impec. Je vais envoyer mon général là-bas. Le tour. Ah, j'ai une unité de plèbe qui a pris. Qui a pas aimé la blague. Ça va, il devrait. Ah, c'est quoi, attends, cette unité de plèbe là va reprendre la zone. Pas déconner. Fils de Mars. Hop. Oh, ah, attends, eux je vais les mettre là, ils ont des munitions à gogo. Là, ils vont vider leurs munitions. Bon, on a repris la zone. On a repris la zone. Romains prêts à faire leur devoir. Troupes de mêlée en attente d'ordre. Hop, allez, videz vos munitions là-dessus. Général. N'importe qui sur lui, ce serait bien. Oh, quoique, ils sont pas beaucoup. C'est qui ils vont vouloir vider? Là, la logique voudrait que ce soit ici. Quoi? Vous êtes passé loin, c'est ça? Non, vous êtes pas encore bien placé. Tiraillé là, j'ai tout vu. Que Jupiter me donne la force. Au bas de course. Hop, on va plutôt se mettre comme ça. Gardez la vitesse, général. Vite dans tes munitions, c'est très bien. Il est là dans son bouclier, lui. On arrive. On va demander à la plèbe de chasser les fuyards. Donc on va se placer juste derrière. Général.
Hop, eux ils ont changé de. Ils ont changé de cible, là ils vont attaquer les autres, donc hop, on va passer sur le côté. On va aller chercher. Ok, eux ils sont en train de fuir. Ah, la plèbe là, elle va en faire des victimes. Peut-être même monter de niveau, qui sait. Concentrez-vous sur eux. Donc le général se concentre sur les guerriers fidèles. Commandant, eh ouvrez la ligne. Bah alors. Au pas de course. Victoire pour voilà, ils veulent plus. On va continuer juste pour chasser les fuyards. Le commandant, est-il à l'attaque, les ordres. À l'attaque, pour Rome. Bah, ils veulent plus. Vitesse. Parce qu'ils foutent. Gloire à Rome. Ils veulent pas se battre. Ah, ils étaient en mode garde, ok. Attends pour moi, j'ai plus. On a eu quand même pas mal de pertes, mais heureusement on a la corde d'Evocati. Allez, faites votre petite poursuite, vous êtes léger, normalement vous devriez rattraper tout le monde. Ah, la plèbe, 72 victimes, hein, 72, 80 victimes. Là. Presque 100 victimes pour la plèbe en entière, c'est pas mal. Hein. On va les faire monter de niveau. Allez. Pas beaucoup de survivants, eux qui ont fait mal, eux qui ont pas eu le temps. Mais le Vess, ils ont fait un bon travail. Enfin, du moins ceux qui ont pas fui. On s'en souvient des fuyards. On s'en souvient bien. Hop, il reste une unité de mercenaires, on s'en fiche. Ah, ici aussi. Oh, il est sur Massilia. Ah, il est agressif. Allez, on s'en débarrasse. Voilà. Je sais même pas s'il y a encore des Pictons. Ah non, il n'y a plus de Pictons. Non, forcément. Et normalement, si je me trompe pas. Ah si, encore des Pictons. Ah oui, si, tiens. Comment ils ont fait. On va chercher. La lumière de Belenos. On va t'en foutre une entre les deux, tu vas te demander qui c'est qui éteint les lumières. Toujours pas. Montez les patrouilles. Ah oui. C'est dingue, il y en a partout. Il peut se déplacer lui. Oui, il peut se déplacer. Qu'est-ce que ça donne? Ah oui. On a dit que c'était minier. Minier slash industriel. Allez, ça va être le dernier tour. Je pense pas que les Pictons aient de quoi me réattaquer. Ils vont peut-être fuir là. Au mieux. Ah, offensive. Non. Ils sont en alliance avec. Avec les Macédoniens. Vraiment. Allez, soumission, parce qu'on est des Romains, faut pas déconner. Et là, j'aurai la portée ou pas? Non, je n'aurai pas la portée, bien évidemment. Bon. On va devoir s'avancer tranquillement. Mais bon, on verra ça pour le prochain épisode. Yes, impec. Bon, en attendant, je vous remercie à tous d'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Pour taper sur du jet. Je pense. Allez, c'était Thiab. Ciao.